Pambate, Bokumona Pelele, et Tikali Moukès, surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman, Batata, Bino, vous allez à Kilo Moukou Sekanate. Pambate, Angoy, Lubamina Katan Moukanmo Bomoy. Soko Bino Boko Bikula. Soko Boko Boutangumba. Nakanisi préparation yango to zer ko sala to ko sala surprise tata yara la lubiete la première deuxième troisième jusqu'à quatrième génération et après donc de kamwane zer ko jila yo et si kanyo so tu batu na mayele la fa passer na joaki ba professeur ba université awa ba yega otala besko na nkamba. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne cours à l'université de Rouen, en France, il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une soirée. Eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africains. Et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre, venez de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours, vous venez perdre notre temps. En parlant de Napoléon, vous parlez de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure? Eh bien, ce professeur, lui, il était choqué aussi, parce que devant plus de 1000 personnes qu'il attaque publiquement, alors les étudiants noirs, ils ont dû se couper pour éviter qu'on les voie, parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, nous l'avons reçu en combat. Et il a terminé par me dire, papa, j'ai commencé à chercher depuis la France. Je dois nécessairement quitter l'Europe parce que j'ai étudié réellement chez eux. Et je leur ai donné raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais puisque mon devoir m'obligeait, à ce que je reste sur place. Mais j'avais décidé de rentrer aux Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Et je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kimbanguisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kimbanguistes qui m'ont parlé de l'église kimbanguiste. Mais je n'avais pas tellement prévu de foi. Mais je suis arrivé au campus, j'en parle au professeur, et bien le professeur qui me dit, si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Et bien c'est pour cela, il est parti dans les Bazaïres.